Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale que vous m'avez demandé durant mon live Top et Flop 2019. Pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, la rediffusion est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Elle fait 4 heures celle-là, donc bon courage pour ceux qui veulent la revoir. J'ai décidé de faire cette vidéo autrement plutôt qu'un live, car je sais que ça va durer un certain moment. Mais c'est une vidéo que vous m'avez demandé durant ce fameux live, donc quels sont pour moi les meilleurs jeux de la décennie, vu qu'on va passer dans les années 2020. On va passer donc dans les années 2020, du coup, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur les jeux qui nous ont marqué, parce que évidemment vous pouvez bien sûr participer à cette vidéo et dire votre top personnel en commentaire. Mais pour le coup, j'avais envie de faire les choses un petit peu différemment, plutôt que de faire simplement un petit top, étant donné qu'il n'y a pas de véritable interactivité à l'inverse du live que l'on a fait, j'ai décidé de rajouter un petit truc, à savoir un petit blind test. Alors ce ne sera pas un top 10 comme j'avais prévu, ça va être un top 15. Et pour tout vous dire, le top 15 a été vachement difficile à faire, parce que mine de rien, dans une décennie, il y a quand même pas mal de jeux qui sortent. Surtout que là, on est à cheval entre deux générations de consoles, donc il va falloir se rappeler de ce qu'il y avait eu avant, essayer d'un peu oublier ce qu'il y a maintenant, enfin bref, essayer de faire le ménage dans tous ces souvenirs vidéoludiques, et donc je suis arrivé à la conclusion que pour moi 10 ce n'était pas assez, donc pour le coup j'en ai trouvé 15, et donc il va y avoir, comme je l'ai dit, un petit blind test. À chaque fois, juste avant de passer au premier jeu ou au jeu suivant, etc., etc., il y aura un petit cut, et pendant 45 secondes ou 40 secondes, il va y avoir un extrait musical, et donc, à vous d'essayer de deviner de quel jeu cela vient, parce que mine de rien, ça reste un petit peu dans un domaine que j'aime bien, c'est bien de partager ses jeux préférés et tout ça, mais moi j'adore la musique de jeux vidéo, ça fait partie de ce que j'apprécie le plus dans la création qu'est le jeu vidéo, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un petit blind test en même temps, sachant que je vais essayer de faire court pour les jeux que je vais aborder, j'ai la liste sous les yeux là. Je vais essayer de faire court pour les jeux que je vais aborder, parce que déjà, j'ai déjà fait des vidéos test sur la plupart de ces jeux, voire même la totalité, il me semble, hein, si je vérifie, ouais, il me semble. Donc j'ai déjà fait des vidéos test sur les jeux que je vais citer, donc je vais essayer de rester un petit peu en surface, et je vous encourage évidemment à aller jeter un œil sur mes vidéos concernant les jeux que je vais citer. Alors évidemment, ce ne sont pas... c'est un top personnel, voilà, je veux dire, je te sors la même sauce qu'absolument tout le monde, tous ceux qui font un top, sauf WatchMojo ou je sais pas, mon cul sur la commode. Bref, je te sors la même sauce que tout le monde, à savoir, c'est mon top personnel, ce sont les jeux qui m'ont le plus marqué durant cette décennie. Ce n'est pas, oh mon dieu, c'est genre mon jeu préféré, c'est le meilleur jeu de tous les temps ou de toute la décennie, non, c'est personnel. Voilà, c'est comme dirait Durandal, à moi. C'est mon top, à moi. Donc pour le coup, eh ben on va pas perdre plus de temps et on va se lancer directement donc au numéro 15. We'll be right back.
Doom 2016, évidemment. Donc, ça, pour le coup, c'est un jeu qui me surprend beaucoup. C'est un jeu qui m'a énormément surpris, que j'ai adoré, mais à un point phénoménal. Je vous ai fait une flash review dessus, parce que mine de rien, je l'avais fait, je crois, plus d'un an après sa sortie. Tout simplement parce que Doom, je n'ai pas une affecte particulière envers cette série. J'ai jamais spécialement apprécié cela. Mais force est de constater que le Doom 2016 est juste une tuerie. Juste une tuerie. C'est un gameplay qui est ultra jouissif. Mais c'est surtout un jeu. Techniquement, c'est le genre de jeu que l'on peut appeler le genre de jeu décérébré, si j'ose dire, à savoir c'est ultra bourrin, c'est ultra violent, mais c'est ultra intelligent dans son exécution. C'est-à-dire le gameplay est tellement souple, tellement nerveux, c'est ça qui rend véritablement ce jeu unique et jouissif, en plus évidemment de sa direction artistique qui est très réussie, de sa bande-son qui est ultra bourrine. Enfin, je veux dire, les développeurs, ils ont parfaitement compris le style de musique qu'il te faut durant un jeu comme ça. Donc c'est juste impeccable, cette espèce de techno-métal. Je dis, c'est ouf, c'est juste ouf, et véritablement, Doom, ça a été une très grosse baffe pour ma part, et je vous encourage évidemment à y jouer, si vous ne l'avez pas fait, simplement. Il faut jouer à Doom, de toute façon, il faut jouer aux 15 jeux que je vais vous citer. Mais voilà, enfin, numéro 15, Doom 2016, et j'attends avec impatience le Doom Eternal qui arrive en 2020. Dying Light, très surprenant, surtout quand on me connaît, c'est-à-dire les jeux style épouvante, entre guillemets, épouvante survival horror, c'est en général très peu pour moi. Les seuls jeux de ce genre auxquels je joue, c'est tout simplement les Resident Evil. Les Resident Evil sont les seuls jeux de ce genre que j'arrive à supporter. Là, il y a le 3, en plus le remake du 3 qui a déjà été annoncé, qui sort en 2020, il me semble. Qui me fait un petit peu flipper, mine de rien, parce que, apparemment, d'après Capcom, ils vont mettre l'accent encore plus sur l'action. Mais enfin bon, est arrivé Dying Light, un survival horror en monde ouvert, avec un gameplay parcours à la Mirror's Edge. Magnifique, magnifique pour ma part. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures dessus. Je crois que c'est un des rares jeux de cette décennie que j'ai dû terminer, je sais pas, une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine de fois, à tel point je kiffe son gameplay, je veux dire. L'aspect parcours joue beaucoup, c'est vrai. L'aspect parcours joue énormément, parce que c'est, encore une fois, c'est très grisant, le fait de grimper absolument partout, puis surtout arriver à un moment du jeu où vous déverrouillez le grappin, le fameux grappin, qui vous donne des possibilités de malade, je veux dire. Le level design est franchement bien pensé. Ça a été véritablement très cool. La panel d'armes, je veux dire, ça te donne des possibilités, mais véritablement de dingue. Et d'ailleurs, bah, comme Doom, Dying Light 2 va arriver en 2020. Il me fait un petit peu peur, parce que j'ai l'impression que les humains vont véritablement être présents. Alors que là, bah, finalement, les humains, ça va être dans le premier du nom, en tout cas. Bon, ils sont uniquement là pour servir le scénario, quoi. Mais je veux dire, le principal ennemi, ça reste les zombies, malgré le fait qu'il y ait certaines... C'est très crédible, en fait. C'est-à-dire, le scénario est complètement teubé, par contre, et complètement nul à chier. Ça, c'est le seul reproche que je peux lui faire. Mais sinon, bah, au-delà de ça, je veux dire, c'est le gameplay. Le gameplay est tellement cool. C'est tellement cool, manette en main. C'est tellement génial. Ça, c'est le genre de jeu... Ça ne vieillira jamais. Ça ne vieillira juste jamais. Et c'est rare d'avoir des jeux comme ça,
qui n'auront jamais un coup de vieux. C'est-à-dire, même si tu amènes une certaine évolution dans l'inertie des joueurs, dans tout et n'importe quoi, Dying Light, c'est vraiment un style de jeu qui ne vieillira pas, et qui est toujours aussi jouissif à jouer, même de nos jours maintenant, alors que le jeu date de 2013, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je vous mettrai tout simplement l'année de sortie. Donc déjà, vous avez le gameplay ici, vous allez avoir l'année en dessous. Je vais essayer de faire un petit montage correct, mais bon. En tout cas, si jamais vous n'avez jamais joué à ce jeu, mais courez, c'est véritablement. C'est un des rares jeux également qui me fait kiffer son arbre de compétences. Les compétences que l'on déverrouille, on les utilise vraiment, pas comme dans un Far Cry ou dans un autre jeu Ubisoftien à la mort moelle-neuve, où finalement, l'arbre de compétences, les compétences que l'on déverrouille sont là, mais au final, t'en as tellement rien à foutre, alors que Dying Light, tu sens véritablement une avancée, et puis vraiment, tu déverrouilles des capacités qui sont géniales et qui sont très utiles, autant dans le parcours que dans le combat, ou je ne sais quoi. Bref. Dying Light, go checker ma vidéo test évidemment. Je vous encourage à 200% à acheter ce jeu si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, vivement le 2. Dead Redemption, évidemment, ça c'est une de mes vidéos test les plus fat, hein. Je crois qu'il y a fait 2 heures, donc je vais vraiment être très court avec Red Dead, mais c'est Red Dead Redemption, à l'inverse du 2, qui bizarrement ne me hype pas du tout. Red Dead Redemption m'a véritablement marqué, pour un simple et unique raison, qu'il m'a réconcilié avec le GTA-like. Je veux dire, les jeux du genre Grand Theft Auto, en monde ouvert comme ça, enfin très Rockstar, j'ai jamais été véritablement très fanat de ces jeux. Pourtant, j'ai joué à... Je crois que j'ai joué à quasiment tous les opus, tous les opus entre guillemets console, depuis le premier, depuis le premier Grand Theft Auto, vous savez, avec la vue du dessus. On jouait à l'époque avec mon cousin sur ce jeu. On comprenait rien, hein. Franchement, on était des gamins, tout ce qu'on voulait c'était rouler à fond et écraser les piétons. Mais au-delà de ça, j'ai quand même joué au premier, au deuxième. Deuxième, je me souviens d'ailleurs, je crois que j'avais niqué une de mes sauvegardes parce qu'il fallait un code. Il fallait un code pour lancer le jeu, un code parental. Et je l'avais oublié. J'avais complètement oublié ce code parental, donc ça c'était il y a longtemps. Mais même jusqu'à GTA 3 sur PS2. GTA 3, Vice City, San Andreas. San Andreas est le GTA auquel j'ai le plus joué, d'ailleurs. Mais parce que, techniquement, au moment où j'y jouais, j'avais pas vraiment d'autres jeux à côté. Donc, tu vois, j'avais pas trop le choix. C'est grâce à ça que je l'ai pensé. Mais il est très sympa, hein, il est très sympa. Mais c'est un style de jeu qui, voilà, enfin, je veux dire, j'apprécie pas spécialement. Pareil pour GTA 5, GTA 4, c'est le seul auquel je n'ai pas touché, ayant la Nintendo Wii plutôt que la Xbox 360, mais c'est vrai que voilà, même le 5, j'ai quand même passé 90 heures dessus, mais c'était surtout pour parce que j'avais un test à faire dessus, puis finalement je crois que je l'ai même pas fait, mais Red Dead Redemption par contre c'est le GTA-like que je surkiffe, mais voilà, c'est... Enrobage western oblige, j'ai envie de te dire. Je veux dire, il était le coup du. On incarne un personnage principal qui est ultra charismatique, qui est impliqué dans le scénario. Scénario qui est quand même le petit problème de ce Red Dead Redemption. Encore une fois, hein, c'est le deuxième de suite. Hein, d'abord Dying Light, ensuite Red Dead. Bon, Doom, on s'en fout. Je veux dire, le scénario, c'est un prétexte. Mais Red Dead Redemption, voilà, je veux dire, avec un univers western, on aurait pu s'attendre à un bien meilleur scénario que ça, mais mine de rien, la fin du jeu est oufissime. La fin du jeu est juste oufissime. Elle te fait tirer ta petite larmichette parce que justement,
tu as pris John Marston, je crois. Tu as pris ton personnage principal d'affection, je dirais. Et l'injustice qu'il y a à la fin, c'est très bien mis en scène. Je veux dire, la musique est géniale. Et enfin, je vais pas spoiler parce que voilà, c'est un jeu qui. Je vais pas spoiler, c'est tout. Mais voilà, ça te montre que même avec un scénario bidon, à partir du moment où le personnage principal est ultra charismatique, tu te prends au jeu et tout ce qui lui arrive t'affecte personnellement. C'est comme ça qu'on écrit bien des personnages. Donc numéro 13, pour ma part, Red Dead Redemption, on va passer au numéro 12. Luigi's Mansion 3, qui est un jeu qui est tout récent, qui a à peine 2 mois, qui a à peine 2 mois, du coup, pile 2 mois d'ailleurs, vu que je compte sortir cette vidéo le 31 décembre. Donc c'est un jeu qui a pile 2 mois, parce que, évidemment, allez checker encore une fois ma vidéo test que j'ai fait dessus, c'est pour ma part une suite parfaite, quasiment parfaite, on n'y est pas loin. Mais, au-delà de ça, j'ai passé un excellent moment sur ce Luigi's Mansion 3, et véritablement la production value du jeu est pour ma part véritablement excellente. La replay value est intéressante. Comme je l'ai dit, je l'ai répété je ne sais combien de fois durant ma vidéo test, l'aspect technique est ultra bluffant de ce Luigi's Mansion 3. Comme je vous l'ai dit, le moteur physique surtout est vraiment excellent. Le fait de garder les bonnes idées du 1 et d'allier ces bonnes idées à celles du 2, c'est parfait, c'est juste ce qu'il fallait faire. Je vais pas tergiverser plus longtemps, mais pour ma part, c'est un des plus grands jeux de cette décennie à ce point-là, le Luigi's Mansion 3. Je suis vraiment très content, impatient qu'il puisse sortir un 4e opus, mais prenez votre temps. Prenez votre temps, parce que c'est vrai que quand tu vois le 3e, réussir à faire mieux, il va falloir bosser. Ça, c'est sûr. Passons au jeu suivant. Dark Souls 3. Très surprenant parce que, j'ai pas encore une fois. Enfin, j'aime beaucoup la licence, mais je ne l'ai jamais terminé, si ce n'est le 3. J'ai que terminé Dark Souls 3 sur toute la licence, pourtant j'ai joué à quasiment. Non, tous. Oh, sauf si vous comptez Sekiro, mais bon, Sekiro c'est autre chose, c'est vrai que Sekiro je n'y ai pas encore joué pour le moment. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, peut-être que... Parce que j'ai vu pas mal de vidéos de gameplay, j'ai vu pas mal de tests également, et ça aurait pu prendre la place de ce Dark Souls 3, véritablement. Parce qu'au final, pourquoi Dark Souls 3 est pour ma part un des meilleurs jeux de la décennie? Pourquoi le 3e surtout? Tout simplement parce que je trouve que c'est le mieux travaillé, et c'est le plus équilibré. C'est le plus équilibré, et dans un sens... Je trouve que c'est le jeu qui se rapproche le plus de Sekiro, à savoir, Sekiro a l'air véritablement très, très exigeant, mais c'est un gameplay qui a l'air juste impeccable. C'est-à-dire, c'est un genre de gameplay que tu ne peux pas prendre à défaut. C'est-à-dire, c'est tellement millimétré,
Et je trouve que Dark Souls 3, pour ma part, c'est le jeu qui possède, enfin c'est le jeu de la série des Souls qui est plus ou moins pareil. C'est-à-dire le, non seulement au niveau de la difficulté, c'est toujours ultra exigeant, mais c'est un petit peu plus permissif. Mais c'est pas parce que c'est plus permissif que voilà, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il me semble, en plus, j'avais entendu ça à l'époque, où oui, Dark Souls c'est casualisé. Nique ta mère, Dark Souls 3 pour les casus, mais va te faire foutre. Non, il est juste parfait. Il est juste parfait au niveau du gameplay. Parce que le 1 n'était pas spécialement. Enfin, il était beaucoup plus punitif. Le premier, le deuxième également. Je parle pas de Bloodborne. Ça me fait halluciner d'ailleurs. Les jeux, enfin, c'est un point de vue personnel. Mais je ne comprends pas comment on peut élever Bloodborne à un niveau au-dessus de la série des Dark Souls 1, 2 et 3. Autant le 2, je peux le comprendre, parce que le 2 a des grosses faiblesses, surtout dans son level design. Mais Bloodborne, la difficulté, mais elle est aux chiottes. Elle est aux chiottes, la difficulté. C'est, tu commences le jeu, je veux dire, tu commences le jeu, la difficulté elle est là, et puis tout d'un coup, pas. Mais genre, au tout début de ce Bloodborne, la difficulté est infecte et infâme, et une fois que t'as passé un certain cap, le jeu devient une promenade de santé. J'ai jamais compris, je veux dire, non, je ne sais pas. Enfin, rien que pour cet aspect-là, pour ma part, Bloodborne est en dessous de Dark Souls 3. Parce que Dark Souls 3, c'est constant. C'est vraiment constant. Et les combats de boss sont juste excellentissimes. Je tiens à préciser quand même, Bloodborne est un bon jeu. Hein. Qu'on s'entende bien, je dis. Bloodborne est vraiment un bon jeu, mais je le trouve trop infâme dès le départ. La difficulté est très mal dosée pour ma part dans Bloodborne. Ça reste quand même un bon jeu à la direction artistique véritablement très intéressante. Je suis plus du côté de Dark Souls, moi, en termes de DA. Et Dark Souls 3, pour ma part, m'a montré beaucoup de plus de choses intéressantes que Bloodborne et que même les autres Souls. Je n'ai pas terminé le 2, je n'ai pas terminé le 1. Alors que pourtant, le 1, je l'aime beaucoup. Hein. J'ai dû y passer 60 heures, je crois, dessus. Mais les deux jumeaux là, franchement, on va te faire foutre. J'ai réussi à les buter. J'ai réussi à les buter, mais tout de suite après, je suis arrivé, je crois, dans une tour. C'était pas une bibliothèque, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était dans une tour avec des monstres de cristal. Et là, putain, encore une fois, la difficulté. Wow, c'est reparti, mais non, non, très peu pour moi. Non merci, non merci. J'ai arrêté Dark Souls 1. Peut-être qu'un jour, je le relancerai. Je l'ai toujours, hein. Je l'ai toujours, que ce soit sur 360 ou sur PC, parce que je l'ai acheté deux fois, ce putain de jeu. Pour vous dire que je l'aime beaucoup, quand même, tu vois. Mais Dark Souls 3, c'est celui que j'ai réussi à terminer, parce qu'il est beaucoup plus... c'est pas simple, mais il est moins punitif, tout en restant exigeant, ce qui montre tout simplement une bien meilleure maîtrise dans le game design, pour ma part. Donc, pour ma part, Dark Souls 3 était véritablement une petite bombe. Et évidemment, on était obligé de mettre... Quand t'es fan de jeux vidéo, durant cette décennie, t'es obligé de mettre au moins un Souls. Peu importe lequel, hein, le 1, le 2, le 3 ou Bloodborne. T'es obligé de mettre au moins un Souls, parce que c'est véritablement une série qui a marqué cette décennie dans le jeu vidéo. On passe au jeu suivant. The Last of Us. Je pense qu'on était obligé de le mettre, du moins de mon point de vue. J'ai vu, mine de rien, qu'il avait perdu
qu'il avait quand même perdu pas mal en renommée ces dernières années. Alors je sais pas si c'est parce que le trailer du 2 vend pas spécialement de rêve, ça c'est quelque chose que l'on peut lui reprocher. Parce que véritablement, le premier, en ce qui me concerne, m'a vraiment marqué, surtout en ce qui concerne les personnages. Le scénario est bien bossé. Bon, après, comme vous le savez, moi, il m'a... Enfin, apparemment, il m'a rendu blasé du jeu vidéo, bien sûr. Petite pique hein, par rapport à un commentaire que j'avais reçu à l'époque sur la vidéo. Ce qui était assez dingue, parce que je disais, putain, le jeu, il est excellent. Enfin, je voyais un culte au jeu. Je crois que c'était à l'époque où je mettais des notes, en plus, j'avais mis 18 sur 20. Et j'avais reçu un pavé comme ça, en me disant, putain, t'es blasé, juste parce que j'avais dit que l'ambiance et les musiques n'étaient pas spécialement intéressantes. Et surtout qu'elles étaient castrateurs, dans le sens où quand on avait certaines phases d'infiltration, où vraiment on avait une certaine tension, parce que on devait certainement pas se faire repérer à cause des fameux, c'est quoi, c'est les claqueurs, je crois. On devait surtout pas se faire repérer par les claqueurs. Il y avait un espèce de petit jingle à la Gears of War qui clairement te disait « C'est bon, il n'y a plus de menace dans la zone. » Et c'était un petit peu con. Moi, j'aurais bien aimé que tant que tu restes dans la zone, tant que t'es pas sorti, peu importe, il y a des ennemis ou pas des ennemis, on ne te dit rien. Et tu te sens uniquement safe, vraiment, quand tu sors de cet endroit-là. C'est ça que j'avais un petit peu déploré. Pareil pour la musique, que je trouvais pas spécialement marquante. Elle était bonne, mais pas oufissime non plus en ce qui me concerne. Et juste ça m'a rendu blasé du jeu vidéo. Enfin bon, bref. Mais non, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment, vraiment kiffé le refaire sur PlayStation 4, d'ailleurs. Après, je dois vous avouer que c'est surtout pour son scénario, en fait. Et ça m'a montré que des jeux, peu importe le style, là en l'occurrence c'était un TPS d'action, full solo, véritablement pensé full solo, quoi. Je veux dire, la durée de vie c'était environ 10-13 heures, et ça me montrait véritablement que c'était quelque chose de très intéressant, et quand c'était bossé, ça proposait tout simplement des créations vraiment, vraiment excellentes et qui frisent le génialissime. C'est un des jeux qui m'a le plus marqué de cette décennie, véritablement. J'aimerais bien vous dire que j'attends beaucoup le 2, mais les trailers qu'on a vus, que ce soit à l'E3 ou dans d'autres circonstances, m'ont pas spécialement hypé. Bon, je parlerai pas de la relation d'Ailey avec une nana. Je pense qu'on s'en bat les couilles, honnêtement. Je dis, on s'en bat les couilles complet. Puis c'était un petit peu vendu dans le premier, d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi des gens pestaient là-dessus. Enfin, en même temps, t'as ça avec tous les personnages féminins. Je veux dire, dès que t'as une nana, oh mon dieu, elle est lesbienne, OMG. Dès que t'as un mec, oh mon dieu, il est homo, OMG. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Au contraire, c'était déjà vendu dans le premier. Et surtout, avec le DLC, hein, le fameux DLC, et surtout, le simple fait qu'elle ait une romance, ça apporte de la matière au personnage. Donc on a envie un petit peu de la voir, entre guillemets, heureuse au final. Donc, soit avec un homme ou avec une nana, qu'est-ce qu'on en a branlé au final? J'espère simplement que le scénario sera très bon, et surtout, j'espère que la fin du premier ne sera pas restée sans réponse. Je ne vais pas vous spoiler, mais ce qui se passe à la fin, c'est quand même... comment dire, ça a une symbolique ultra puissante. Et il y a intérêt que ça continue, parce que normalement, il devrait y avoir des conséquences là-dessus. Mais j'ai peur que finalement cet aspect soit survolé, et je vous avoue que ça me décevrait. Ça me décevrait beaucoup si jamais cet aspect n'était que survolé finalement dans The Last of Us 2. Mais en tout cas, le premier était vraiment une pépite et j'ai surkiffé. Et si vous n'y avez pas joué, qu'est-ce que vous attendez? Une Play 4 peut-être? Ça peut aider. Jeu suivant. Moon River, why?
Bayonetta 2, évidemment, pour ma part, le meilleur beat'em all qui existe encore actuellement. J'ai pas fait DMC5, cependant, c'est vrai. Mais, en fait, c'est surtout que la série Bayonetta, je l'appréciais beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette série. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a réconcilié avec un genre que j'avais complètement boudé pendant des années. Tout simplement parce que je l'ai trouvé chiant à l'époque. Hein. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, véritablement, genre les God of War, moi, je trouvais ça super chiant sur PlayStation 2. Alors, c'était très impressionnant à voir, mais la série des God of War, par exemple, j'ai toujours trouvé ça d'un nul, et le gameplay de Bayonetta m'a complètement réconcilié avec le style beat'em up ou beat'em all, selon votre préférence. Mais vraiment, en plus, le personnage est ultra charismatique et il est très marrant pour ma part. Moi, je trouve que Bayonetta, c'est une caricature qui est juste géniale, quoi. Je veux dire, je la trouve très drôle. Je la trouve sa façon de se trémousser, sa façon de se comporter, sa psychologie, enfin, je veux dire, c'est du nanar, quoi. Je veux dire, c'est quasiment du nanar, une nana comme ça. C'est l'antithèse, en fait, d'un personnage féminin, de la princesse, tu vois, qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo. Je veux dire, c'est la nana ultra aguicheuse qui botte des culs puissance 10. Et puis surtout, le gameplay est véritablement ouf. Et je préfère le 2 parce que pour ma part, il sublime complètement le premier. Je veux dire, il y a beaucoup de phases, par exemple, dans le premier que j'avais pas trouvé spécialement intéressantes, voire même avec un level design assez plat, assez ennuyeux au final, dans certains levels, hein, pas dans tous, mais dans certains levels. Et au final, le 2, pour ma part, a corrigé véritablement tous les soucis du premier. C'est un des meilleurs beat'em all auxquels j'ai pu jouer ces 10 dernières années, tout simplement. Et Dieu que j'attends le numéro 3, avec une très grande impatience, mais aussi une très grande curiosité, car d'après le créateur, apparemment, il compte aller sur une... il compte prendre une direction complètement différente du 1 et du 2. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. On verra bien. En tout cas, j'attends le 3 avec énormément d'impatience. Au suivant. Ai-je véritablement besoin de m'attarder sur ce jeu? Vous avez qu'à regarder le Let's Play de Bob Lennon pour, pour vous rendre compte à quel point ce jeu a marqué la décennie, à tel point qu'il est ressorti sur tous les supports. PC, Xbox 360, PS3, Nintendo Switch maintenant, Xbox One, PlayStation 4, et il sortira probablement sur un frigo comme ça nous a été annoncé il y a 2 ans. Mais non, mais Skyrim, quoi, je dis, c'est grandiose, c'est un jeu qui est grandiose. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, surtout des fans hardcore qui sont là en mode « Oui, Morrowind c'est mieux, Oblivion c'est mieux ». Peut-être que ces jeux-là sont mieux. À titre personnel, j'ai découvert la série véritablement, parce que je la connaissais un petit peu, mais de réputation seulement, parce que c'était des jeux PC, et moi, je n'avais pas de PC à l'époque. Moi, j'ai toujours été team console de salon, plutôt que team PC. Donc du coup, bah, c'était surtout à l'époque de Game One, je regardais, c'était Oblivion à l'époque, qui était resté dans le top des ventes PC pendant un très très long moment. Et au moment où Skyrim est sorti, je l'ai donc découvert et ça a été une gifle. Je m'attendais pas à ce qu'un jeu d'aventure comme ça puisse être aussi prenant et aussi bien foutu. Bon, après, c'est les rois des bugs, hein. C'est les rois des bugs, c'est sûr.
Mais voilà, la narration est excellente, bon, le scénario est assez bateau, mais ce qu'on y fait, c'est vraiment épique pour 2011 en plus, c'était véritablement ouf. Tous ceux qui te sortent que Skyrim est moche, par exemple, vous voyez, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Où est-ce que vous avez vu que le jeu est moche ? Je veux dire, il a une DA qui est magnifique. Il a une DA, pour ma part, qui est véritablement excellentissime et magnifique. Ce qu'on fait à l'intérieur, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, qu'un Oblivion ou qu'un Morrowind, qui au final s'essoufflait quand même pas mal, surtout dans leur level design, quand tu vas faire des tombeaux ou peu importe, des grottes et tout ça, ça se ressemblait quand même beaucoup, surtout dans Oblivion. Dans Oblivion, c'était horrible. C'était horrible. Tu fais une trentaine de cavernes, tu les as toutes vues. Dans Skyrim, c'est pas le cas, même si au niveau de la DA, ça se ressemble énormément, le level design est complètement différent, il y a très très peu de grottes, de sanctuaires en tout genre qui se ressemblent, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, le jeu a été ultra bossé, la production value est juste oufissime, les musiques en plus de Jeremy Saul, elles sont magnifiques, et puis au final, c'est grâce à ce jeu que j'ai pu mettre, j'ai eu la chance de mettre mes mains sur cette série grâce à Skyrim, et je me suis empressé de découvrir le reste de la série, en commençant par le premier, donc The Elder Scrolls Arena. Je vous ai fait une vidéo, c'était quoi, c'était une découverte je crois, je vous ai fait une vidéo découverte de The Elder Scrolls Arena. J'en avais fait une je crois de Daggerfall, mais je crois que je l'avais supprimée parce que c'était un scandale, j'y arrivais pas, je me faisais botter le cul au premier donjon, je veux dire, à la prison. À la prison, dès le départ, je n'arrivais pas à sortir, pour te dire quoi. Mais après, Morrowind également, je vous ai fait une vidéo test dessus, Oblivion aussi, que j'ai pas terminé, mais que j'ai quand même pas mal poncé, mais sur 360 en fait, je l'ai poncé, pas sur PC, il faudra que je m'y remette un de ces quatre. Mais Skyrim, par contre, c'est le seul où je vous déconseillerais d'aller voir justement ma vidéo test, parce qu'elle a pris un énorme coup de vieux. Parce qu'à l'époque, je filmais, c'était avec quoi ? C'était, je crois, avec un Dazzle DVC 100, il me semble. Bon, là, ceux qui ont plusieurs années d'expérience dans la vidéo, dans le gaming, vous savez ce que c'est, je pense. C'est cette qualité de merde ultra pixelisée, donc malheureusement, ça a pris un énorme coup de vieux. Et même au final, ce que je dis dans la vidéo, je trouve que c'est amené à être amélioré, en fait. Bon, je me lançais un petit peu, on était en 2011 ou 2012, quand j'avais fait la vidéo test. Donc, mon discours a un petit peu changé. Je trouve toujours que Skyrim, néanmoins, est un des piliers de cette décennie. Et j'avais envie de vous dire, oui, j'attends The Elder Scrolls 6, mais vu la gueule de Bethesda en ce moment, pas tellement. On va passer au jeu suivant, c'est mieux. Mass Effect 2, parce qu'il fallait évidemment que je le sorte, je dis c'était obligatoire. La série des Mass Effect, pour ma part, ça fait partie de la trilogie que je préfère du jeu vidéo, véritablement, c'est une série que je kiffe. Quoi, trilogie ? Non. Ah non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais pour ma part, celui que je préfère et celui que je peux refaire incessamment, même si les trois, je pourrais les refaire, mais tout le temps, je veux dire, c'est des jeux qui sont véritablement tellement prenants, tellement amusants. Je vous avais fait en plus une grosse série de vidéos, je vous avais carrément fait la trilogie Mass Effect en vidéo test, linkée, donc en trois parties, d'abord le premier, puis le 2, puis le 3. Pour vous montrer à quel point vraiment cette série m'a marqué et m'a bluffé sur beaucoup de points.
Et celui que je préfère dans tout ça, bah, c'est Mass Effect 2. Surtout, bah, comme je l'ai dit dans ma vidéo test, surtout parce que déjà la narration est toujours aussi folle, mais surtout le jeu met énormément l'accent sur la relation que l'on a avec les personnages du jeu, et puis surtout la fin, quoi. Je veux dire la mission de fin qui peut nous foutre la haine. À titre personnel, je vous sors une anecdote là d'ailleurs. Il me semble que je n'ai jamais réussi à avoir la fin parfaite. Je n'ai jamais réussi à avoir la fin parfaite dans Mass Effect 2. J'ai toujours au moins un connard qui meurt. Tout le temps. Bon, après, j'assume un petit peu quand je joue à Mass Effect 3. Mais c'est vrai que putain, ça m'avait choqué. Je dis, c'est un jeu qui porte ses couilles et qui te dit, bah, si tu fais les mauvais choix, tu vas perdre ces personnages. Les personnages auxquels tu t'es attaché, je veux dire, véritablement, parce que, encore une fois, l'accent mis sur la relation entre Shepard et les différents personnages du jeu est très forte, à tel point qu'on a des missions spécifiques pour les persos, et c'est, encore une fois, c'est tellement très bien écrit, je veux dire, les scribes qui sont à l'origine des, que ce soit des dialogues ou des arcs narratifs de n'importe quel personnage, véritablement, chapeau bas, c'est de l'excellente écriture, vraiment, quoi. Donc, pour ma part, Mass Effect 2, et je changerai peut-être un truc dans ma vidéo test, à savoir, je vous avais dit comme quoi je regrettais quand même beaucoup le fait que la série a pris un certain tournant. Donc moi, j'avais un petit peu déploré ça en pensant que, c'est vrai que le côté exploration du 1 me manquait énormément. Finalement, le jeu se suffit vraiment à lui-même. C'est vrai que j'aurais préféré plus de phases exploratives, si j'ose dire, à la Mass Effect premier du nom. Le fait qu'ils aient amélioré le gameplay, en soi, je trouve ça intéressant, même si dans la vidéo, je dis que, on sent que vraiment c'est pour toucher un plus grand nombre de personnes. Mais je maintiens, pour ma part, des phases où on explore des planètes et où on peut réaliser certaines missions pendant ces phases d'exploration ou des combats, carrément. Je maintiens que c'est plus intéressant que de balancer des sondes à la con sur une planète pour récupérer des ressources en mode YOLO. Voilà. Mais bon. Mais au-delà de ça, voilà, pour moi, c'est... Même, je mets Mass Effect 2 parce qu'on parle d'un seul jeu... Mais pour moi, la trilogie Mass Effect, et je précise, la trilogie Mass Effect 1, 2, 3, c'est tout. La trilogie Mass Effect, pour ma part, ça fait partie des... C'est vraiment excellentissime. Une des meilleures séries du jeu vidéo, pour ma part. Mais passons donc au jeu suivant, c'est... 1, 2, 3, 4, 5... 6, au numéro 6. Off the rails, don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Alors là, ça va faire chier du monde. Mais oui, Super Mario Odyssey, pour ma part, je le répète, c'est un jeu qui m'a comblé sur beaucoup de points. Et je dis que ça va peut-être faire vriller certaines oreilles, pourquoi ? Bah parce que Mario Odyssey n'est pas spécialement un jeu qui a été énormément apprécié ou qui a été encensé par pas mal de gens. Les fans de Mario, d'ailleurs, préfèrent largement Mario Galaxy. Ce que je peux comprendre sur certains points, après, moi, vous me connaissez. La chose qui me manquait le plus dans la série des Mario 3D, c'était l'aspect exploration. L'aspect exploration me manquait énormément, même si j'ai beaucoup apprécié Mario Galaxy 1 et que j'ai bien aimé Mario Galaxy 2. L'aspect, la mécanique...
La mécanique de jeu à la Mario 64 et Mario Sunshine me manquait beaucoup trop. Et encore, Mario Sunshine, je trouve que c'est quand même un poil trop dirigiste. Mais voilà, je voulais retrouver cette liberté que j'avais dans Super Mario 64. C'est pas pour rien que c'est mon jeu préféré de tous les temps, hein, Mario 64. Hein. Et là, Nintendo me l'a redonné, donc j'ai été comblé. J'ai été véritablement comblé. Après, oui, je peux comprendre certaines choses, genre il y a beaucoup trop de lunes qui ne servent à rien, c'est vrai. Le endgame est inutile, c'est vrai aussi. Mais, enfin, je me suis retrouvé à mes 8 ans. Quand j'ai joué à ce jeu, véritablement, je me suis retrouvé à mes 8 ans. Au-delà de ça, le gameplay est un des meilleurs de la série des Mario. Bon, c'est difficile de faire mieux que le gameplay des Mario Galaxy, je veux dire, avec l'effet de gravité et tout ça, je veux dire, c'était vraiment oufissime. Mais en termes de gameplay plateforme 3D pure, c'est-à-dire sans... j'allais dire artifice, mais c'est pas vraiment artifice, parce que artifice, ce serait quelque chose genre de la poudre aux yeux, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Mais, je veux dire, la gravité dans les Mario Galaxy, c'est une subtilité. Une subtilité dans le gameplay platformer 3D. Pour ma part, Super Mario Odyssey, c'est vraiment de la 3D pure et dure. C'est-à-dire, il n'y a pas de système de gravité comme ça qui permet des phases de platforming véritablement folles. Parce que c'est la force de Mario Galaxy, hein, mine de rien. Là, c'est véritablement du classique. Mais pour ma part, c'est du classique très bien maîtrisé, véritablement ouf. Et encore une fois, l'aspect exploration est... C'est... Non, ça m'a bluffé, peut-être pas, mais ça m'a subjugué. Ça m'a subjugué et ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment fait kiffer de voir ce Super Mario Odyssey qui se rapproche beaucoup plus d'un Super Mario 64 que d'un Mario Galaxy. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde le compare à Mario Galaxy, ce jeu. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent au vu, encore une fois, de sa mécanique de jeu, de le comparer au Mario 3D classique, à savoir 64 et Sunshine. Parce que Galaxy, voilà, encore une fois, l'aspect gravitation autour des planètes et des différentes plateformes, ça amène des trucs de malade mental. Mario Odyssey reste en soi simple, et dans son simplisme, il reste oufissime. Je sais pas si c'est français, mais j'en ai rien à foutre. Mais Super Mario Odyssey fait partie des jeux que j'ai le plus kiffé durant cette décennie. Parce que je vous rappelle que Mario Galaxy, je crois que c'est 2010, je crois, ou 2009. Mais on n'a pas eu de jeu Mario 3D intéressant ou véritablement fou depuis 2009. Donc moi, ça faisait 8 ans que j'attendais ça. Ça faisait 8 ans. Parce que Mario 3D World, il était mignon. C'était pas dingue, et de plus, on a eu les New Super Mario Wii qui étaient bidons, le U qui était nul à chier, c'est pas nul, mais je veux dire, c'était tellement inintéressant et tellement ennuyeux, les New Super Mario Bros. Qui sont sortis par la suite. Donc vraiment, je l'attendais, moi, mon véritable Mario 3D. Et j'ai été subjugué et complètement comblé par Super Mario Odyssey. On passe au jeu suivant. Dragon Quest Builders. Alors ça, je pense que je vais être un des seuls au monde à te sortir ce jeu en top de la décennie. Parce que, bah, pour ce style de jeu bac à sable, tout le monde n'a Dieu que pour Minecraft. Ce que je peux comprendre d'un côté. Mais mine de rien, moi, c'est justement l'aspect différent, entre guillemets, de Minecraft que nous propose ce Dragon Quest Builders.
J'ai passé plus d'une centaine d'heures dessus, voire même beaucoup plus, je crois. Et là, je suis en train de refaire pareil sur le 2. c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série que j'aime beaucoup. Bah, déjà parce que c'est très relaxant. C'est le but, hein, je veux dire, c'est un jeu bac à sable. Mais le côté, justement, Dragon Quest avec son scénario simpliste et sa DA aussi, qui est ajouté au style de jeu Minecraft, c'est vraiment ce que j'adore. C'est vraiment ce que j'adore et je le trouve, à titre personnel, beaucoup plus intéressant que Minecraft. J'ai mis le premier et non pas le deuxième, parce que le deuxième propose des choses complètement affolantes, surtout en ce qui concerne les constructions. Tu peux faire des trucs de dingue, mais tellement... C'est beaucoup plus poussé que Minecraft à ce niveau-là. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent ou qui s'en rendent compte. Mais vraiment, Dragon Quest Builders 2, il a beaucoup plus de possibilités que... il te propose beaucoup plus de possibilités en termes de construction que un Minecraft. C'est dommage que ce soit moins ambitieux, finalement, qu'un Minecraft... En termes d'espace, là, Minecraft, évidemment, tu peux faire un petit peu tout et n'importe quoi. Dragon Quest Builders 2, si tu te dis finalement les règles du jeu, je m'en fous, je veux juste construire ce que je veux, eh ben, on a un jeu qui peut, je pense, botter le cul à Minecraft sur beaucoup de points. Après, la chose aussi qui fait sa particularité, c'est son scénario qui reste très simpliste, encore une fois. Le 2, par contre... C'est pour ça que je préfère le premier au deuxième, sur un certain point, c'est le scénario. Le scénario du 2 est extrêmement mauvais. Au moins, le scénario du premier, il se laisse suivre. Il est très simple. C'est un Dragon Quest, j'ai envie de te dire. Mais il a quand même ses petits messages, ses petits sous-entendus. Dragon Quest Builders 2, il a également certains messages à faire passer, par exemple le coup de la création et la destruction ne sont que au final une seule et même chose, quoi. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de destruction, et s'il n'y a pas de destruction, il n'y a plus de création. Donc c'est un message qui peut être intéressant, mais c'est tellement mal écrit au final, c'est tellement mal écrit et nul et mauvais. Alors que Dragon Quest Builders 1, mine de rien, c'est un bon petit spin-off. C'est un bon petit spin-off, je trouve, pour la série des Dragon Quest. Donc au final, moi j'ai vraiment passé un temps fou sur ce jeu. Mais je me suis vraiment éclaté, faire ma petite ville, agencer mes pièces comme je veux... encore une fois, le 2 est bien plus intéressant, surtout dans l'aspect construction. Mais le premier, voilà, c'est le premier m'a fait véritablement kiffer les bacs à sable, le style de jeu bac à sable. Là où avant, ça me saoulait un petit peu vite. Je veux dire, Minecraft, je l'ai sur mon PC pourtant, hein, mais Minecraft, j'y joue une heure et demie, et après ça me gonfle, j'ai envie d'arrêter. Les Dragon Quest Builders, je n'arrive pas à m'arrêter. Je lance une partie, je suis parti pour 3, 4, 5, jusqu'à 8, 9 heures d'affilée, quoi. Parce que c'est trop bien, et c'est ultra addictif. C'est ultra addictif, et je trouve les Dragon Quest Builders beaucoup plus addictifs que d'autres bacs à sable, du genre Minecraft, par exemple. Mais c'est aussi la DA, l'ambiance musicale, la patte de Toriyama un petit peu aussi qui aide beaucoup, le fait qu'il y ait beaucoup plus de mécaniques intéressantes pour ma part dans les Dragon Quest Builders plutôt que dans des jeux comme Minecraft. Mais ça m'a vraiment marqué, ça m'a véritablement marqué à tel point que je l'ai acheté, Dragon Quest Builders le premier, je l'ai acheté sur Switch, le Builders 2, je l'ai acheté deux fois. Je l'ai acheté deux fois, une fois sur Switch, évidemment, je vous ai fait la vidéo test dessus, mais une autre fois sur Steam. Parce que, on n'a pas à dire, mais y jouer en 60 FPS, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais enfin, bon, on passe au numéro 4. Thank you.
God of War. Eh ouais, j'avais lancé une petite crotte de nez à la gueule de la série en parlant de Bayonetta 2 un petit peu avant. Mais God of War, c'est bluffant. Bluffant. God of War, pour ma part, ça m'a subjugué. Autant dans son gameplay que dans le monde qu'il nous propose, dans la direction artistique, dans les musiques, dans la narration, l'écriture des personnages, la psychologie des personnages, la relation qu'ils ont entre eux. J'ai trouvé ce jeu véritablement... je sais pas, pour moi, c'est un truc de fou. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est comme ce que je vous ai dit avant. Pour moi, la série des God of War, c'était quelque chose de chiant et d'inintéressant, mais de très spectaculaire. Mais c'est tout. Là, avec cette revisite, si j'ose dire, des codes de la série et son semi-monde ouvert, c'est tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais, c'est juste parfait. Le sound design, magnifique. Magnifique, le sound design de God of War. Je dis, c'est un jeu qui, pour ma part, est à la limite du perfect et qui m'a vraiment bluffé, marqué. Je pense que ça m'a surtout marqué parce que je m'attendais pas du tout à ça venant de cette série. Au final, je lui ai laissé sa chance et ça s'est bien passé à tel point que... Mais à tel point que, pour ma part, c'est... voilà, pour moi, il est aussi haut dans mon classement des meilleurs jeux de la décennie. Parce que je l'ai vraiment surkiffé, je l'ai surkiffé. Bon, après, il y a une ou deux missions que je n'ai pas vraiment appréciées, du genre les Valkyries. je veux dire, je jouais à God of War, ok, mais je jouais pas à Dark Souls. Je dis, ça me... Ah, mais bon, au final, les Valkyries, je crois qu'il y en a, surtout une, je crois. Il y en a une qui m'a véritablement pété les couilles. C'était la dernière, d'ailleurs, je crois. Non, il y en avait deux. Une qui avait un pattern dégueulasse, et puis la deuxième, c'est toutes les Valkyries en une. Ma patience a atteint ses limites assez vite, mais j'ai réussi. Ce qui est quand même bien, mais j'ai quand même réussi. Mais ouais, voilà, je dis, tout ce que ce jeu nous propose, pour ma part, est véritablement bluffant et intéressant. Et ça te montre que... C'est surtout un jeu que je respecte énormément, quoi. Parce que, je veux dire, du God of War, ils auraient très bien pu faire du beat'em up simpliste. Simpliste et couloiresque. Que, je pense, ça se serait vendu... Bon, ça serait un petit peu moins vendu. Mais je pense qu'il aurait eu une estime tout aussi grande. Tandis que là, les développeurs, ils ont foutu un bon coup de pied dans la fourmilière de la série. Ils ont rénové les codes de la série. Ils l'ont modernisé, tout simplement. Ils ont modernisé le jeu. Et ça fait un bien fou. C'est une prise de risque que j'aime beaucoup. Comme j'ai dit, la narration, la mise en scène, pour ma part, c'est un jeu qui est très cinématographique tout en étant ultra jouissif. Manette en main, c'est pas un jeu qui se contente uniquement de filmer des trucs grandioses, c'est un jeu qui nous fait participer véritablement à des combats grandioses. Ça manque de boss, mine de rien, c'est un peu dommage, mais à mon avis la suite risque d'être complètement folle dingue, surtout quand on voit la scène post-crédit. Je vous en dirai pas plus, mais bon, je vous conseille évidemment ma vidéo test sur ce jeu. Et on va passer au podium. Mais avant de passer au podium, on va faire tout simplement des mentions honorables. Je sais que quasiment tout le monde fait ça quand tu fais un top, mais faut pas déconner, comme je vous l'ai dit, on a passé une décennie, 10 putains d'années, on a passé 10 ans. Donc pour le coup, il y en a eu des jeux, il y en a eu. Donc j'ai décidé tout simplement, en plus des 15 jeux que je suis en train de vous citer, j'ai décidé de vous en montrer 15 autres qui m'ont également marqué durant cette décennie. Je vais pas discuter, on va faire ça en mode clip musical, tout simplement, ça va aller très vite, mais je tiens à vous proposer mes 15 autres mentions honorables, autrement dit, tout simplement, des jeux que j'ai complètement surkiffés. Cette décennie, et il fallait quand même que je les cite, à tel point j'ai passé un temps complètement ouf dessus. Bon visionnage, on se retrouve tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu qui, pour ma part, est parfait. Juste parfait. Comme je l'ai dit dans ma vidéo test. Je n'ai rien à reprocher à ce jeu. Véritablement, je n'ai rien à reprocher à ce jeu. C'est un Metroidvania qui, pour ma part, réussit. Un sans faute. Direction artistique, gameplay, inertie, la musique de Gareth Cocker. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les créations de Gareth Cocker dans ce Ori and the Blind Forest. Pour ma part, level design, pour le game design, pour ma part, tout est parfait. Tout est parfait. Et comme j'ai dit, sa direction artistique très chatoyante et très colorée, ça ne peut que... Ça ne peut que me plaire, ça ne peut que me plaire, tout simplement. Et c'est, pour ma part, le meilleur Metroidvania qui est sorti. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se fritent entre quel est le meilleur Metroidvania entre Ori et Hollow Knight. Hollow Knight, pour l'instant, je n'y ai pas encore joué. Tout le monde me le conseille à 200%, mais c'est un jeu que je vais rattraper, certainement cette année 2020. Mais pour ma part, Ori... Juste Ori? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Juste Ori. Voilà. J'aimerais bien avoir une peluche. Elle irait bien avec mon Nymphalie à côté. Mais bon, juste Ori. On va passer au numéro 2 parce que j'ai rien d'autre à dire. Ah si, si vous n'avez pas joué au jeu, le bordel de queue, il est sorti partout, même sur Nintendo Switch. Qu'est-ce que vous attendez, nom de Dieu? Bref, jouez à Ori. On passe au numéro 2. Tropical Freeze, évidemment, évidemment. Vous avez entendu la petite musique, là? C'est un scandale que David Wise ne soit toujours pas au panthéon des compositeurs de jeux vidéo. De musique de jeux vidéo, pardon. Mais c'est un scandale! C'est un scandale! Arrêtez! Uematsu, Koji Kondo, Osef! David Wise is the king. David Wise est notre maître à tous, comme j'aime bien le dire. Je dis, mais c'est scandaleux que ce mec n'est pas, ne soit pas appelé partout. Putain, juste avec la bande son de ce Donkey Kong Country Tropical Freeze, ce jeu c'est bon, c'est le meilleur jeu de la décennie au niveau des musiques. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire au départ, étant donné que j'aime bien parler de musique de jeux vidéo. Je voulais faire au départ justement un top 10 des meilleurs OST qui sont sortis, des meilleurs OST de jeu durant cette décennie également. Mais pour moi, ça allait être trop évident. La première, ça allait être du Tropical Freeze. C'est obligé, voilà. Ça ne se discute pas. David Wise, notre maître à tous. Mais au-delà de ça. Au-delà de ça, Donkey Kong Country Tropical Freeze est pour ma part le jeu de plateforme 2D juste parfait. Juste véritablement parfait. Toute nostalgie mise à part. Hein. C'est-à-dire parce que évidemment, le fait de retrouver Cranky, de retrouver Dixie, surtout Dixie, moi j'étais comme un dingue moi. Quand je voyais dans les trailers, putain, Dixie revient, j'étais comme un dingue moi. Mais toute nostalgie mise à part, je trouve véritablement que c'est le jeu de plateforme 2D le plus maîtrisé de ces 10 dernières années. Et c'est encore pire quand tu regardes la concurrence qu'on avait, à savoir les Mario. Quand tu regardais la gueule des Mario et la gueule de ce Donkey Kong Country Tropical Freeze... Aouch! Aouch! Nintendo qui se fait botter le cul par un studio qui a combien? Qui a 10 ans? Qui a 15 ans, je crois. Le premier jeu qu'ils ont sorti, c'est quoi? C'est Metroid Prime Retro Studio? Donc c'est 2002, donc il y a 17 ans, voilà.
Il y a 17 ans, le studio, c'est bien. Sauf que Nintendo, OMG, quoi. Je dis, les mecs, ils font du jeu de plateforme depuis plus de 30 ans. Ils se font botter le cul comme ça par Retro Studio. C'est impressionnant. Et en tout point, c'est ça qui est dingue. En tout point, direction artistique, level design, replay value, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donkey Kong Country Tropical Freeze a été une création de malade mental. Et pour ma part, ça aurait pu être le jeu de plateforme parfait. Si, encore une fois, les gars, vous aviez foutu un véritable dernier niveau ultime. Putain, je dis, on l'attend, celui-là. Je dis, vous avez raté le coche dans Donkey Kong Country Returns, vous ratez le coche, encore une fois, dans Tropical Freeze. Merde, putain, c'est le seul truc qui vous manque. Votre gameplay est parfait, votre inspiration dans le level design est juste impeccable. C'est juste parfait, le jeu pour ma part est vraiment parfait, mais il manque que ça pour que ce soit le firmament des jeux de plateforme. Il manque un monde ultime, c'est tout ce qui manque. Alors, je coupe de suite ceux qui vont me dire « Oui, mais ils l'ont fait dans le portage 3DS ». Le portage 3DS, le monde neuf, il est véritablement là uniquement pour ajouter quelque chose de semi-intéressant dans le jeu. On va pas se mentir. Le monde neuf de Donkey Kong Country Returns sur 3DS, c'est de la poudre aux yeux. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est parce que c'est un monde qui n'a aucune thématique. C'est un monde qui n'a aucune thématique. Là où justement, les développeurs, donc Retro Studio, quand tu regardes surtout les concept art que tu déverrouilles en chopant les notes de musique, pas les notes de musique, n'importe quoi, les pièces de puzzle, oh, ça va, enfin bref, là où tu récupères les pièces de puzzle, tu déverrouilles des concept art et tu vois que les mecs avaient véritablement une grande inspiration pour ce dernier monde qui était censé être ultime. Et on ne l'a pas eu. À la place, on a eu, bah tiens, on va faire un clin d'œil, un niveau égale un monde. Donc on a le premier, c'est la forêt, ensuite on a la lave, etc., etc. Non, il faut véritablement un monde atypique, unique, et difficile, très difficile même, pour te dire, putain, j'ai botté le cul de ce jeu. Enfin bref, je dis, c'est tout ce qui vous manque, les gars. C'est tout ce qui vous manque, et j'espère qu'on aura ça dans le troisième, du coup, Donkey Kong Country, entre guillemets, Returns 3, parce que on l'attend, mais à mon avis, vu que Nintendo a refilé Metroid Prime 4 à Retro Studio, je pense qu'on va attendre un long moment avant d'avoir un prochain jeu Donkey Kong. Tant pis. Il est temps de passer au numéro 1, mais vous savez déjà ce que c'est. Ah oui, évidemment, Zelda Breath of the Wild, c'est le jeu qui m'a le plus marqué durant ces 10 dernières années. Pas simplement parce que c'est un Zelda, mais surtout parce qu'il propose, déjà c'est un jeu qui révolutionne, entre guillemets, la série, une série qui a 30 ans, mine de rien, donc qui a 33 ans maintenant. Donc c'est déjà ultra violent, mais c'est surtout, la promesse a été tenue. C'est ça qui m'a véritablement bluffé. La promesse a été tenue. Souvenez-vous, la promesse d'Eiji Aonuma. Nous allons botter le cul des... Nous allons botter le cul des open world classiques. Nous allons révolutionner le genre d'open world. La promesse est tenue. La promesse est véritablement tenue. L'interaction que t'as avec le décor, c'est juste ouf. Le moteur physique est juste excellent. Tu peux faire des trucs tellement dingues dans ce jeu. Tellement dingues.
C'est dommage, encore une fois, ça aurait pu être mon Zelda préféré si seulement il avait été resté classique dans les donjons. Parce que c'est vraiment le seul truc pour moi qui pêche dans ce jeu. Juste les temples. C'est les temples qui pêchent. Il en aurait fallu, je pense, deux fois plus. Je pense deux fois plus, et surtout à thématique. Parce que c'est ça, justement, qui marque dans la série des The Legend of Zelda. C'est que les donjons ont leur propre thématique, ont leur propre originalité. En général, t'en as deux ou trois qui sont là à titre de tutoriel. Et ensuite, les donjons qui suivent sont véritablement des donjons qui sont marquants. C'est ça, j'ai envie de dire, le sel de la série des Zelda. C'est le seul truc qui manque. C'est le seul truc qui manque dans ce Breath of the Wild pour être, pour ma part, le meilleur jeu de tous les temps. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment ce que je pense. Il aurait pu, je pense, dépasser mon admiration pour Super Mario 64 si vraiment il avait eu ce petit truc en plus. Mais au-delà de ça, je crois que j'ai dépassé les 200 heures dessus. J'ai dépassé les 200 heures sur ce jeu. Et c'est marrant parce que c'est le genre de jeu qui ne me lassera jamais. Même si je le connais par cœur. L'univers est tellement grand, le monde est tellement grand, tu fais tellement de trucs. C'est tellement relaxant de jouer. C'est tellement relaxant de jouer à ce jeu pour moi. C'est ouf. Et puis qui plus est, c'est ma série favorite qui a foutu un coup de pied dans la fourmilière des open world classiques. Et c'est dommage que, de ce que l'on voit pour l'instant, Nintendo a clairement montré la marche à suivre, mais pas grand monde a véritablement envie de les suivre. Ce qui est un peu con, surtout pour l'industrie du jeu vidéo. Mais voilà, pour ma part, Breath of the Wild, peut-être une OST un petit peu plus poussée, un petit peu plus marquante et travaillée. C'est peut-être ce qui lui manque. Après, moi, comme vous le savez, je suis un défenseur de l'ambiance de Breath of the Wild. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, à part 4-5 thèmes, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent dans ce Breath of the Wild, ce qui est très dommage, mais c'est amené à être amélioré, et on verra ce que Breath of the Wild 2 aura à nous proposer. Sur ce, voici pour mon top. Voici pour mon top, tout simplement, des meilleurs jeux de cette décennie. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous de me dire également votre classement. Je vous dis tout simplement à l'année prochaine, mort de rire, mais je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, également pour l'intérêt que vous apportez à mes vidéos. Merci encore énormément pour les partages de mes vidéos que vous faites. Dès que possible. Je sais qu'il y en a, dès que la vidéo arrive, les mecs ils partagent directement. Je vous remercie énormément parce que c'est grâce à ça qu'on touche un petit peu plus de gens, de plus en plus, hein, on touche de plus en plus de gens, mine de rien, et c'est vraiment très cool. Donc merci beaucoup de votre sollicitude, si j'ose dire. Je vous souhaite une excellente année 2020, bonne fête. Faites pas trop les cons, hein, faut pas déconner, pensez safe, foutez-vous la gueule à l'envers, mais dormez sur place au moins, mais enfin bref, une excellente année 2020 à vous tous, j'espère que cette année sera, comment on dit, prolifique, autant dans vos projets personnels que dans vos projets privés, enfin je ne sais pas, c'est la même chose, enfin bref, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao bye bye.